bien sûr, si j'aurais pas voulu. Un petit garçon? Mais oui, évidemment. Voici de nouveau Petit Gibus. Et toi, comment tu t'appelles? Bébert. Bébert et puis? Bébert et puis. Et puis quoi? Et puis quoi? T'as bien un nom? Un nom? T'as fini de tout répéter? Pété. Bébert, c'est l'enfant terrible. Obstiné. Je vois mon manège. Même que je m'assieds là et que je bouge plus. Tendre. Je vois un feu de Bengale. Et charmeur tout à la fois. Je veux une grenouille. Ou prise avec les hommes. Emmerdeur. Saucisse. Et avec les choses. Comment que s'appelle le bonhomme qui l'a recu sur son cheval? Mais les choses se gâtent quand il s'agit de locomotives. Mais qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe qu'aujourd'hui, Yves Robert vous propose l'extraordinaire aventure d'un gosse qui a décidé de donner libre cours à toutes ses fantaisies. Un enfant qui désarçonne la logique des adultes. Faut lui faire pompon au cul. Vous entendez? Pompon au cul. Ben, vous n'irez pas jusque-là, n'est-ce pas? Un gamin qui bouleverse les règles de la société. Et qui sème la perturbation dans une gare de première classe. Qu'est-ce qui m'a fichu une gare pareille? Les trains s'arrêtent, repartent tout seuls. Les chariots à bagages traînent partout et on retrouve des gamins sur les quais. Bébert et l'omnibus, c'est pour chacun de nous l'enfant terrible que nous avons été. Là-dedans, tu veux d'abord. On va nous foutre un coup de revolver, hein? Là-dedans, il y a quelqu'un? Yves Robert a choisi comme partenaire de Petit Gibus Blanchette Brunois. Et puis quoi? Pierre Mondy. Et puis quoi? Jean Richard. Et puis quoi? Michel Serrault. Et puis quoi? Jacques Higelin. Et puis quoi? Jean Lefebvre. Et puis quoi? Albert Rémy. Et puis quoi? Christian Marin. Et puis quoi? Oh, et puis zut! Qu'il vous suffise de savoir que... Bébert! Et l'omnibus est un film d'Yves Robert, adapté et dialogué par François Boyer d'après son roman. Comment penser qu'un bambin de 8 ans et demi soit capable de tenir en échec une organisation aussi vaste et rigoureuse que la SNCF? C'est peut-être plus le moment de discuter, non? Et si son père ou son grand frère ne parviennent pas à le retrouver avant l'aube, qui peut jurer que les bases de l'État, de la nation, de la morale et de la société elle-même ne vont pas s'effondrer dans un immense cataclysme? Les Bébert et l'omnibus, bientôt sur cet écran.